Deux matchs, deux victoires pour l'équipe FC Barcelone dans le championnat d'Espagne. Victoire sur l'équipe Bilbao, 2-1. Dans le match, Rafinha, Lamine, Condé, McDonald, c'est très bon. Tap Tap Sen, voyez l'argent en Haïti, by famille ou Axamio avec Tap Tap Sen. Moi, dis ça déjà. Ou même qui l'autre bord de l'eau. Téléchargez l'application sur Google Play Store, bien App Store ou éligible. Famille ou bien Zami ou qui en Haïti, juste besoin de mon cash et le registre téléphone. C'est 4 débit ou besoin pour votre transaction. Automatiquement, ou utilisez pour mon code KIMHAITIAN, K-I-M-H-A-I-T-I, ou bien 15 dollars sur première transaction. Ou même qui a un compte Soge Bank en good ou bien en dollar, l'argent ou bien jouer nous sur compte Soge Bank good ou bien dollar ou automatiquement ou utiliser Tap Tap Sen. Pas jamais oublier utiliser pour mon code moyen qui c'est KIMHAITI, K-I-M-H-A-I-T-I ou bien 15 dollars sur première transaction. L'automobile. Téléchargez l'application d'automobile sur Google Play Store pour placer Paris Sportif. Paris simple, Paris multiple, Paris combo. Et l'automobile gagne basketball et tennis sur l'application. Deuxième victoire pour l'équipe FC Barcelone. Après victoire en déplacement, la CAI équipe Valence 2-1. Avec 2 buts de Robert Lewandowski. Et bien Barcelone fait une deuxième victoire de rang dans le championnat d'Espagne. Ils battent l'équipe Athletic Bilbao 2-1. Deux matchs, deux victoires pour l'équipe FC Barcelone. On se dépend Barcelone dans le match football. Ça, Testegen est dans le camp pour l'équipe FC Barcelone. Balde latéral gauche, latéral droite, Jules Condé, Inigo Martinez et puis Ngou Barsi. T'es là, et dans le terrain, t'es gagné McBernal, Pedri, Rafinha, t'es devant eux, Ferran Torres, t'es à gauche comme il y est, à droite, c'était Lamine, et puis, en pointe, c'était Robert Lewandowski. Pour l'équipe, Athletic Bilbao, Alex Padilla, maintenant, Inigo Lekue, à droite comme latéral, Berchiche, à gauche comme latéral, Yeray Alvarez, Daniel Vivian, dans la défense centrale là, Mikel Vizga, Binat Prados, dans le terrain, Nico Williams à gauche, à droite Alex Berenguer, et puis dans le dos Inaki Williams, qui c'est grand frère Nico, et c'est Oyan Sanset, c'est comme ça, équipe football ça lui-même, l'été campé, n'a pas parlé de l'équipe athlétique Bilbao. En première période ça, c'était en première période côté que Barcelone, gagné et maîtrise pour la période là. Bon, Barcelone maîtrise pratiquement tout match là, mais en la période là, et avant équipe Athletic Bilbao ou en jouant une goal égalisation sous penalty avec Oyan Sanset, 42e minute de jeu à contre-pied qui pourrait marquer de Testegen. Barcelone te l'ouvre score à la suite et de yon coup franc de Pedri sous côté gauche là. Et intervention défensive, ballon récupéré par Lamine qui fixé, qui fait frappe, pied gauche là, qui contre dans tête. Défenseur équipe et Athletic Bilbao, ballon entre dans le camp, mais le fait que ballon en termes de trajectoire, c'est où de camp le tap prend, eh bien, goal là, c'est goal Lamine y est. Barcelone était capable de faire 2-0 avec Robert Lewandowski. Qui frappé un ballon sous poteau, monsieur excentré sur côté gauche là, il fait intérieur pied droite là, il ouvre pile ballon à frapper sous la deuxième poteau. Hein. Barcelone était capable de jouer et 2-0 avant goal égalisation. Hein. Goal égalisation vient de fait après une faute en dessous de réparation hein, du défenseur international et espagnol Ngou Barsi. Qui fait faute sous attaquant équipe Athletic Bilbao. Mais ça qui est belle sur l'action, ça, il y a 2 actions pénalty. Mais le fait que c'est Barcelone qui fait faute en vain, continuité action fait que rien équipe Athletic Bilbao fait faute sur Robert Lewandowski, eh bien, va avec Gilles Manzano, il fait intervention, eh bien, son intervention, c'est première action. Première action, c'est défenseur équipe FC Barcelone qui et fait faute sous attaquant équipe et Athletic Bilbao. Eh bien, et un
1-1, le Sand a joué 42e minute de jeu. Pour la période, là, c'était en première période côté Barcelone, t'es gagné et maîtrise. Et ceci pendant tout match-là. Barcelone, t'es gagné maîtrise ça. Gagné par moment et Nico Williams qui t'a secoué collé. D'ailleurs, gagné en action, je mettais dans le vent et Goubarsi. Goubarsi, je pensais qu'il paraît moins perdu sous près deux matchs que le jouait déjà en Liga. Et problème placement et les moins patients par rapport avec Jean que noté well surtout dans la deuxième partie saison 2023-2024 là que était très bon, c'est vrai saison fait commencer, mais faut nous dire ça nous est tout dans cas et Goubarsi, donc c'est quand même un jeune talent, il a une marge de progression, il est capable de venir un gros défenseur dans le football mondial dans l'année qui vient là, mais si nous prenons deux matchs que nous jouons avec l'équipe FC Barcelone, non, et nous jugeons que, les BC, les pas fait intervention, yo, avec autorité, genre que, les t'es qu'on fait ça. Donc, en d'abord la période, ça, nous parler de l'action, ça, de Nico Williams qui fixait, il tombait, et Nico fait frappe là, qui contrait, qui allait en corner, Nico qui jouait un match moyen, nous pourrions parler de ça, parce que t'es gagné un joueur, qui était décidé à arrêter et Nico Williams. Deuxième période de Barcelone, non, c'était une deuxième période côté techniquement niveau A était beaucoup plus élevé. Niveau A beaucoup plus élevé parce que Barcelone a chassé équipe Bilbao en très haut. Ils ont pratiquement coupé toute relation et qui était gagné non que terrain pour joindre que ce soit Alex Berenguer, Elie Doua, Oyan Sanset qui a joué en soutien et Inaki Williams, que ce soit ou prend Nico Williams, parce que l'équipe Athletic Bilbao a été en 4-2-3-1 pratiquement. Eh bien, l'équipe Athletic Bilbao a eu pas mal de difficultés parce que Barcelone pratiquement coupé toute relation mi-temps terrain et attaque pour l'équipe Bilbao. Et non bagay ça, que ce soit au prend McBernal qui jouait un excellent match, et tout le monde a parlé de Barcelone qui très bon, qui jouait un match correct, et 8 sur 10 à l'aise, et face Bilbao, eh bien, McBernal, dans le match football, ça a parlé de un joueur qui a 17 ans. Premier match Barcelone qui jouait, c'était lui-même avec Casado, qui était dans le terrain, Pedri était rentré en deuxième période. Match ça, l'inamite en terrain à Pedri. Et ça qui gagne, hein, Barcelone n'a pas de pièce difficulté pour te sortir avec ballon. Hein. C'est disponibilité. La fait des interventions défensives côté que pas gagner trop de déchets. C'est vrai, il prend un carton jaune et on erreur jeunesse, on faute jeunesse 49e minute de jeu. Parce que pas gagner danger et dans un moment, voir équipe Bilbao a accéléré, je fais faute là. Mais sous retirer ça, c'est sortir de balle, pas de prise de risque, c'est positionnement li, et capacité pour li, bail ballon dans un spot qui permet que le joueur li même li progresse. Et ça qui est belle là, ou capable de dire petit tigre, c'est tigre. Et petit tigre là, et bon chien le fait, et bon chat le fait. Donc là où est le joueur là, ou garde li, ou dit 17 ans, si pas de malheur qui arrive jouer là, tête li sous épaule li connaît que le doit continuer à apprendre, et puis li en dans l'institution qui fait la confiance, qui a la liberté pour l'exprimer, pas de route, pas de bois que joueur ça a une belle carrière devant. Si nous gardons deux premiers matchs que li jouait avec l'équipe FC Barcelone contre Valence, et contre l'équipe Atlético Bilbao, c'est vrai, c'est pas contre Real, c'est pas contre Atlético Madrid, mais l'équipe Sao, c'est deuxième niveau. Je parle de Valence avec Bilbao, c'est deuxième niveau football dans le pays de l'Espagne. Ça veut dire, en termes de potentiel et talent, l'équipe Sao, c'est eux-mêmes qui gagnent deuxième niveau potentiel et talent,
qui gagne dans le football espagnol là. Eh bien, le joueur là lui-même, lui permet l'équipe de sortir ballon en propre, lui passe lio précise avec une intelligence de jeu qui permet que lui libérer joueur qui est en phase de construction. Hein. C'était très bon et n'a pas de Mac Bernal qui jouait un super match pour l'équipe FC Barcelone là. Et le n'a pas de Barcelone qui était très bon. Hein. Eh bien, ballon était sorti avec un pile fluidité. N'a pas de Mac Bernal qui était très intéressant pour l'équipe FC Barcelone là. Barcelone vient faire 2-1 à la 75e minute de jeu après une très bonne connexion Rafinha et Pedri, centre de Pedri et goalkeeper à Padilla et fait contre manchette là ballon pas aller avec force. Eh bien, Lewandowski a une bonne opportunité, c'est frapper ballon, il mettait ballon dans le camp. Mais Barcelone était capable de jouer 2-1 et à plusieurs reprises dans la deuxième période là avant le jeu 2-1. D'ailleurs, il y a un centre de Rafinha, une superbe reprise de Robert Lewandowski, pas dit à faire arrêt. Il y a un corner, on dit un coup franc, il y a un coup de tête de Robert Lewandowski, ballon frappé sous poteau, deux poteaux pour Robert Lewandowski. Donc, c'est quand même une équipe FC Barcelone avant de jouer une goal 2-1 que Robert Lewandowski lui-même l'y inscrit en bon numéro 9. Barcelone t'est quand même joué des opportunités pour le faire 2-1. On frappe à bout portant de Robert Lewandowski, goalkeeper a pas dit à faire arrière, on a un réflexe. Et puis, bon coup de tête de Robert Lewandowski, ballon a frappé et sous poteau droit goalkeeper. Agence a été faite en d'abord période, frappe en roulé de Robert Lewandowski, ballon a frappé sous poteau droit. Et bien, c'est même bagarre là, coup de tête de Robert Lewandowski, se matcher, ballon a frappé sous poteau droit. Et bien, Barcelone vient mener 2-1 face équipe et Athletic Bilbao. Et t'es gagné quand même changement. Fermín López, qui rentre dans la place et Ferran Torres, il est clair que, on joue à coup, Ferran Torres, c'est Kembel qui met place pour Olmo. Ferran pas convaincant et dans Matsa, et en pile imprécision, et dans dernier geste, le pas bon, et on sentit que joueur là, il manquait au repère. Et, bon, selon vous voulez vendre, il même n'y pas voulu aller, mais si on a regardé joueur ça, on pensait qu'avec la venue de Olmo qui a bail Barcelone plus alternative Basel, Olmo beaucoup plus régulier Basel, Olmo beaucoup plus intelligent Basel, et Olmo capable de proposer plus bagaille, tantôt ailier gauche, Ferran qui a joué ailier, tantôt il est capable de jouer en position de 10, il est capable de jouer tout en position de faux 9. Donc, le gars de Olmo, Olmo proposait plus bagaille, il est beaucoup plus intelligent que Ferran et qui part dans le coup. Maintenant, deuxième période de Barcelone, non? C'est en deuxième période, côté que Pedri était très bon. Pedri était très bon. Pendant que je parlais de Mac Bernal et un match là qui était bon, qui libérait l'espace, qui a baillé ballon à intervalle dans le sens vertical joué là, Pedri était moins bon dans la première période là. Mais dans la deuxième période là, Pedri était baillé Barcelone rythme, il était baillé Barcelone tempo. Et à l'offensive Barcelone était plus besoin en la deuxième période. Pedri était proposé ça. Pedri était très bon. Et bon bagage que moi-même, moi toujours dis dans le cas Pedri, hein, c'est bien malheureux que blessure fait que footballeur ça, lui pas jamais capable régulier et sur un terrain. Parce que cas Pedri, hein, ou pas capable poser problème régularité football Pedri sous terrain. C'est régularité dehors, parce que pas toujours là. Et le joueur s'aligne même son terrain football, la sortie des masterclass baou, prise de balle, et changement de rythme, et capacité le gain pour le jouer là, capacité le gain pour la projection, pour le bypass dangereux, parce qu'il a cassé l'île. C'est vrai, il y a pile exigence autour de Pedri, parce que Pedri, il va falloir que il fait goal lui, parce que Bombay est très important. Pedri, pas non position sa vie. Pedri, non position qui est beaucoup plus avancée. Et là, non position beaucoup plus avancée, ou non position de 8, et très souvent, non position de 10, côté que tout le temps, on a 25, 26 mètres équipe adversaire, eh bien, faut qu'on capable de dernier passe. Faut qu'on capable de shooter. Faut qu'on capable de décisif à travers des buts. Donc ça, c'est quand même des reproches pour Nektekou et Pedri. Mais nous songez, le Barcelone tape champion Liga avec Xavi, il était fait quand même des goals ultra décisifs pour l'équipe FC Barcelone. Mais c'est bien malheureux que je vois ça, Ligue 1 a fait 2 mois bon,
physiquement n'a pas joué. Après ça, il fait 3 mois et il n'est pas capable de jouer. Et le retourner, il prend temps pour le rentrer pour l'équipe FC Barcelone. Pas oublier Pedri, pas fini de jouer Coupe d'Europe là à cause et problème de blessure. Il n'a pas commencé le premier match pour l'équipe FC Barcelone, il rentre en deuxième période. Il joue match pour Barcelone, Noël. Nous est talent et prise de décision que la prenne en match football ça, changement de rythme, capacité de gain pour le bail dernier passe. Pedri était très bon. Pedri, c'est quand même un excellent footballeur. Eh bien, Pedri était excellent pour l'équipe FC Barcelone, surtout en deuxième période. Première période, là, il était timide, mais deuxième période, là, il était extraordinaire pour l'équipe FC Barcelone. Robert Lewandowski. La grande question, c'est jusqu'à côté. Lewandowski capable décisif pour Barcelone. Parce que, vous n'avez pas à comprendre, équipe Flick proposée en pile, équipe Flick à la rapide, équipe Flick prend moins de temps dans l'élaboration, l'exécuter rapide. Après que équipe Flick, c'est une équipe qui est très productive, le ballon en pied, il n'y a pas de problème pour élaborer, mais comparé avec l'équipe Guardiola, par exemple, qui est capable de prendre plus de temps dans l'élaboration, l'équipe Flick prend moins de temps dans l'élaboration, il y a un jeu qui est beaucoup plus direct. Et dans un jeu qui est beaucoup plus direct, ce n'est pas pour sans raison que l'équipe FC Barcelone n'a pas voulu gagner en équipe pour Nico. Pour qui ça? Parce que yo d'accord que faut que yo exécuter très vite. L'équipe Flick exécuter très vite. Nous, l'équipe Flick, là, qui c'est Bayern Munich. Bayern Munich 2019-2020, Bayern Munich 2020-2021, ils ont exécuté très rapide. Et bien, dans l'exécution rapide, ça, faut qu'ils ont quand même procuré en pile occasion, parce que l'idée, c'est faut qu'on procure en pile occasion. Quand on a là, procure en pile occasion, faut qu'on soit capable de mettre le ballon dans le filet. Depuis la saison, Robert Lewandowski, en carrière, au côté que nous sommes capables de parler pour le ballon de Lewandowski, il fait un flic. Depuis la saison, Lewandowski en carrière. Deux souliers donc qu'on peut parler avec Lewandowski et prend yo. Ou encore Gerd Müller qui était là depuis 1972. C'est avec Flick que Lewandowski lui-même lui fait comme ça. Ça veut dire qui ça? Ça veut dire n'a parlé quand même de un joueur qui fait un pile cause avec Flick. Maintenant, c'est pas même l'âge, c'est pas même effectif. Mais comme il y a idée. Ça que Flick lui-même l'a proposé comme football, c'est un entraîneur qui d'accord faut qu'il gagne ballon, mais faut qu'il exécute plus rapide par rapport à ça Barcelone lui-même généralement traditionnellement par là fait. Donc c'est comme ça l'équipe Flick qui est. Maintenant, la grande question, c'est jusqu'à côté que Lewandowski est capable de mener Barcelone. Lewandowski a 36 ans, c'est pas 25 ans, c'est pas 28 ans, c'est pas 29 ans. Mais nous constatons que 6 points que Barcelone fait, c'est quoi Lewandowski. 2 à 1 contre Valence, Lewandowski fait le goal. 2 à 1 contre Athletic Bilbao, il fait goal qui va être victoire. Ça veut dire Lewandowski guetta à bay Barcelone point. Si nous prenons match ça contre l'équipe et Bilbao, il frappe 2 boules sur poteau. Gagne une superbe frappe que le fait face à face avec gardien, gardien fait un arrêt, ça c'est toi. Et puis goal que le fait, ça veut dire c'est quand même un Robert Lewandowski qui te joint. Pas mal de situations de but, il fait youn. Bon, on peut dire que il fait ça qui est décisif, il fait ça qui bah Barcelone victoire là. Maintenant, dans style équipe et Flick là, Robert Lewandowski obligé plus régulier. Il est obligé de faire l'homme dit régulier dans le match. Ça veut dire si il joue une 4 occasions, il faut le capable de mettre deux ballons dans le filet. Parce que ça va être très important. Par exemple, il joue une 4, il mettait un green ballon dans le filet pour l'équipe FC Barcelone là. Donc, ou capable toujours dire, il est capable de faire plus, mais ça qui est important, faire goal qui va vite tout. Quand il y a une question, c'est jusqu'à qui bon que on est avec Lewandowski à porter Barcelone. C'est ça qui fait tout. On est avec Lamine et Olmo, l'Ipral n'a en situation que Joao Delio tout fait goal pour l'équipe FC Barcelone. C'est pas seulement Lewandowski, Joao Delio tout fait un pile goal tout pour l'équipe FC Barcelone.